prends pas de l'huile dans une bouteille pour consacrer. Nous allons prendre d'abord la parole de Dieu dans Marc, à Marc 6, à partir du verset 7. Marc 6, à partir du verset 7. Verset 7, à partir du verset 7, on fait la lecture. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de venir. Amen. Il va appeler les disciples, il va leur donner le pouvoir sur les esprits impurs. Vous savez, Dieu appelle quelqu'un qui était un porteur de vision. On l'appelle un choisi. Et lui marche avec ce qu'on appelle les appelés. Les appelés là viennent les poulets. Ils ont compris la vision des choix. Donc ceux qui sont autour de moi, on les appelle les choisis. Dès que je prie pour eux, pour qu'il y ait la même vision que moi. Amen. Zaroko n'a pas été délocalisé. C'est mon centre de délivrance. Différents centres d'écoute. Centres d'écoute. C'est un centre de délivrance. Nous allons aménager le coin. Tous les week-ends, tous les vendredis, nous serons constamment ici. Vous priez pour les malades, les délivrances et tout ça. Là-bas, c'est un centre de goutte. Amen. Et centre de retraite. Ici, c'est un centre de délivrance. Et de guérison. Amen. Mais il faut marcher avec des personnes. Jésus, quand il a commencé son ministère, il va appeler 12 personnes. Les 12 qu'on appelait mes apôtres, il va dire envoyer. Il a prié pour eux. Amen. Alors je vais prier pour ceux qui sont appelés à travailler avec moi. Parce que nous allons commencer des choses très sérieuses. Il faudrait qu'il ait la bénédiction. Amen. Je vais appeler le pasteur Philippe. Ouvrez-moi la bouteille. Et le pasteur Serge. Mettez-vous devant moi. Le jour où vous allez vouloir renverser le ministère, vous serez renversé. Nous prenons la Bible. Amen. Nous prenons 1 Samuel, le chapitre 16. Je vais vous parler de la corde. La corde, c'est un symbole de force. Amen. Quand le prophète sort avec une corde, c'est pour consacrer les hommes les plus importants. Les rois, les gens, c'est la force. La consécration des hommes. Le ministère. Donc c'est avec la corde. Dieu nous donne la force. En fait, nous avons reçu le ministère. Nous prenons 1 Samuel, le chapitre 16. Allons-y. On fait la lecture. Allons-y. Alléluia. 1 Samuel, le chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, quand ce sera tu de pleurer sur Saül, tu l'as rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta conduite. Et pars. Je t'envoie chez Isaïe. Le Bethlémite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Donc la consécration de David. Samuel a rempli sa conduite. Il allait mettre sur David. Par contre, quand vous voyez la consécration de Saül, c'était dans un pot d'huile. C'est pour ça que son règne n'a pas duré. Un pot d'huile, il a versé ça sur lui. Mais la consécration de David a été préparée.
J'ai préparé ça. Et pour ta prière. Parce qu'une vie qui est du ministère. Qui va très loin avec le ministère. Si on ne sont pas consacrés, on ne va pas s'entendre. Je dis les choses seront rebelles. Mais quand lui va les toucher, on va comprendre. Quand il est parlé, il va me comprendre. Ils ne seront plus rebelles. Amen. Je vous consacre à la grâce de Dieu. Voilà. Afin qu'il puisse reçu dans ce ministère. Et que Dieu vous accorde la sagesse et l'intelligence afin de servir les hommes. Dieu fait de nous des serviteurs. Voilà. Ce qui nous donne assez de sagesse, nous donne assez de sagesse. Afin de pouvoir composer ensemble, voir de la même manière. Nous devons voir de la même manière. Le ministère porte la compassion des âmes. Suivant, on fait la lecture. Tous ceux du ministère, mettez-vous en genoux. Tout ce qu'on appelait, mettez-vous en genoux. Vous voyez, ces dames-là, elles sont très bien. Elles sont bien. Amen. Amen. Ouais, je vais présenter ce monsieur. Je vais comprendre. Lui,